Allez, viens. Allez, viens, dépêche-toi, là. Non, mais là, ça a pas l'air d'aller vite. Oh non, ça va pas. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, mais là, t'es très malade, là. Ça se voit, ça va pas du tout. Allez, viens, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bon. Vas-y, faut monter dans la chambre. Faut monter dans la chambre, allez. Attends, attends. Non, mais t'allonges pas ici. J'ai mal. Non, mais je vais pas appeler le médecin ici. Attends, attends, viens, viens. Allez, on peut aller dans le shop au pire. Vas-y, allonge-toi sur le tapis. Normalement, ça ira mieux. Viens, viens t'allonger si t'as un peu de force. Oh là là. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous on ne va pas bien du tout comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. C'est une catastrophe, Lily Rose a dû partir à l'hôpital. Peppa Pink pareil, il est à l'hôpital, ils sont tous les deux dans la salle d'attente là. Moi je suis le seul à aller très bien. Mais Valentin là il a réussi à rentrer avec moi en voiture. Mais ça va pas? Ça fait mal. Ouais, ouais, bah ça a pas l'air d'aller du tout. En gros là on revient d'un restaurant pour tout vous dire, et ce qu'on a mangé ça passe pas du tout. Depuis qu'on a commencé le dessert, c'est une catastrophe. Ils sont tous les deux. T'es sûr que ça va? Oh, ça va pas. Ok, bon. Viens, faut que je bouge. Non, vas-y, viens, viens, monte, monte, monte. On va se poser dans le, on va se poser dans le lit. D'accord, d'accord. On va se poser dans le lit. Oh, t'as de la chance. Bon, on va dans la chambre de Lily Rose, celle qui a le plus grand lit. Pour se poser. Attends, j'appelle un médecin. Allô? Attends, ça répond. Voilà. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez venir? C'est pour une consultation urgente, là. C'est extrêmement pressé. On a plusieurs... Chut. C'est quoi, ça? Attends, il y a déjà quelqu'un? Il est déjà là? Attends, mais écoute, là, j'en veux plus. Attends, attends. Va dans la chambre de Lily Rose. Va dans la chambre de Lily Rose. Mais comment il peut être déjà là? Je viens de l'appeler. Non mais c'est trop bizarre ça. Attendez, j'espère que c'est pas une blague. Bonjour. Bonjour. Enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous-même. Vous allez bien? Et vous-même? Ah oui, bah ça va plutôt bien, mais je vous pensais pas aussi rapide. Eh bah me voici. Ouais, mais vous êtes bien médecin Pichot. Pichotte. Pichotte, médecin Pichotte. Exactement, je soigne tous les maux. Vous soignez tous les maux, bon ça tombe bien. Là on a un gros mot là. Venez ici, venez à l'étage. Écoutez, on revient d'un restaurant, on a eu une intoxication terrible. Ah j'ai l'habitude. Et il y a ma soeur et mon père qui vont arriver dans pas longtemps, ils sont à l'hôpital, ils vont venir. Bon, dites-moi qui bah, pour l'instant il y a une personne qui est sur place. Il s'appelle Valentin, il a 20 ans. Ah, Valentin, moi. Ouais, sauvez-le. Bon, va dans le lit pour l'instant, voilà. Asseyez-vous dans le lit confortablement, je vais vous soigner. Vous pensez pouvoir faire quelque chose, monsieur Pichotte? Oui. Bon, j'ai une médecine un peu particulière. Comment ça, vous avez une médecine particulière? Mais oui. Moi, j'ai une médecine normale. C'est vraiment un médecin? Oui, bien sûr. Mais écoute, je l'ai appelé, il dit que c'est bien lui, docteur Pichotte. Mais pourquoi il y a une cape toute noire? Une cape noire? Mais c'est sa tenue partout. Vous inquiétez pas. C'est vrai que pour un médecin, vous avez l'air très vieux, vous avez une tenue bien particulière, quand même. Mais bon, je suis spécialisé dans les guérisons de mal de ventre suite au restaurant. Oui, bon, allez, dépêchez-vous, là, on a vraiment pas le temps. Bon, j'ai besoin de savoir ce que vous avez mangé. Du poisson ou de la viande? Du poisson. Du poisson, ça m'étonne pas. Mais je pense que c'était du poisson pourri, hein. Bon, écoutez. Allez. Concentrez-vous, concentrez-vous. Regardez, fixez bien, sous pendentif. Il va faire quoi? Il va t'hypnotiser, là? Alors, regardez bien. Il va t'hypnotiser. Je vais vous soigner, oh là là, oui. Mais vous êtes sûr que ça fonctionne? Il faut bientôt plutôt guérir. Pas plutôt des médicaments? Tournez la tête. Ok, ok, bon, attendez. D'autant bas, d'autant bon, les amis, je vais pas rester là, je vais lui laisser faire son truc et je vais essayer d'avoir Lily Rose et Peppa Pink au téléphone pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent de l'hôpital, parce que ça commence à m'inquiéter. Bah, ça va, Valentin? Oui. Mais pourquoi il fait des trucs comme ça? Pourquoi il fait... Attends, non, t'es sûr que ça va? Descendez les escaliers, suivez-moi. Mais maintenant il vous obéit, c'est quoi ce bazar? Mais il faut le soigner, pas de... Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, regardez. Fais la poule maintenant, fais la poule. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi il fait la poule maintenant? Et le canard maintenant, le canard. Mais c'est quoi ça? Mais non, je veux pas vous le contrôler. C'est pour... Parce que... Stop, stop, arrêt sur image. En fait, je fais ça pas...
pour éviter qu'il ait mal au ventre, étant donné qu'il a mangé du poisson. Non, mais je m'en fiche, moi je veux un vrai traitement. Tu fais la grenouille. La grenouille, mais je m'en fiche, mais il va faire tous les animaux de la ferme ou quoi? Mais imite Esteban maintenant. Comment ça, imite? Ah là, les amis, je sais pas ce que je vais faire. Ça vous fait rire, vous êtes pas un vrai docteur, c'est ça? Les roses. Vous êtes pas un vrai docteur et vous allez faire quoi avec votre pendentif? Avec votre... Alors maintenant, Esteban, tu fixes bien le pendentif. Toi, Valentin, reste immobile. Et toi, maintenant, Esteban, reste immobile également. Et tu vas faire ce que je te dis. Alors maintenant, tu vas... Allez, si, récite-moi la chanson Pop It. Pop it, pop it, pop it mania, c'est la pop it. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre pendentif? Mon pendentif. Vous ne l'aurez pas, ça suffit. Prends-le-moi. Non, je sais pas si vous êtes vraiment médecin, mais ce que vous avez fait, c'est interdit là. Pendant au moins 30 secondes, j'étais contrôlé. Eh ben, tu ne réussiras pas à enlever l'hypnotisation, si je sais dire, de Valentin. Il peut plus bouger. Il bouge plus, et alors je l'ai immobilisé. Eh oh, il peut plus bouger. Il n'y a que moi qui peux le faire. Je vous aurai, monsieur Pichotte, là. Non, votre pendentif, je le garde. Non, je vais m'enfuir. Je vais m'enfuir avec et vous le retrouverez jamais tant que vous n'aurez pas rendu mon cousin normal. Oh là là, les amis, c'est pas possible, ça. Je peux pas laisser comme ça. Non, vous l'aurez pas. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour t'empêcher de t'enfuir. Comment ça? Mais c'est pourquoi vous avez ramené un monstre chez nous? Mais c'est quoi ce truc? Rends-moi le pendentif. Non, vous n'aurez pas le pendentif. Vas-y. Non. Oh, faut pas que ce truc me suive. Oh là 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 là. Mais les amis, ça fait super peur. Vous avez vu le truc qu'il a ramené chez nous? Alors je sais pas si c'est parce que je suis hypnotisé que je vois ça, mais j'ai clairement vu un monstre en train de nous crier dessus. Un monstre tout orange. Je vais rester dans le garage. Je vais rester dans la voiture même. Moi je sais pas conduire une voiture, mais je devrais aller voir Lily Rose et Peppa Pink à l'hôpital. Alors, c'est bon. Allô Peppa Pink? Il faut que tu reviennes à la maison rapidement là avec Lily Rose. J'ai fait venir un médecin mais c'était un faux. C'était un hypnotiseur. Il a totalement bloqué Valentin. Il est figé, il peut plus bouger. Comment ça? Oh, mais c'est pas possible. Comment je vais faire moi? Et en plus il a ramené un monstre à la maison qui est dans le salon, qui est grand, orange et qui crie. Ok, je te rappelle. Les amis, ça va pas du tout. Apparemment, à l'hôpital, ils veulent garder Lily Rose et Peppa Pink parce qu'apparemment, c'est à cause du poisson. C'est un poisson très rare et quand on le mange, on peut rester malade pendant une semaine complète comme ça, ne pas réussir à se lever. On doit rester dans un lit. Oh, j'espère que ça va pas faire pareil pour Valentin. Sinon, je vais être tout seul pendant une semaine là. Bon, écoutez, je vais essayer quelque chose. Heureusement que j'ai réussi à lui confisquer son pendentif là. Regardez, il est avec moi. Peut-être que si je le détruis, ça va libérer Valentin. Bon, alors comment je peux faire pour le détruire? Je sais pas. Attendez, je vais changer de pièce déjà. Ah, le chat est là. Ça va, il n'y a pas de nouvelles du docteur Pichotte là. Alors, où est-ce que je peux le mettre? Où est-ce que je peux mettre ce truc? Bon, au pire, je le mets par terre et je l'écrase. Petit pendentif! Qu'est-ce que t'as fait à mon cousin? Mon pied! Mais c'est quoi ça? Ah! Oh mon pied! Quand j'ai touché le pendentif, c'est devenu brûlant! Ah mais je crois qu'il est en train de gonfler, j'arrive plus à le bouger! Mais qu'est-ce que t'as fait avec ton pendentif? Reste là! Il est encore sous mon contrôle! J'ai essayé de le détruire, ça m'a détruit le pied! Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu peux détruire comme ça le pendentif? Rends-le-moi. Tiens, reprends-le et libère mon cousin. Allez. Regarde bien, bon, fixe. Là, les amis, on n'est pas prêt de s'en sortir, je pense. Et moi, je crois que j'arrive même plus à marcher à cause de ton truc. J'ai trop mal aux pieds. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je te libère, Valentin.
Tu n'es plus hypnotisé. Reviens ici, reviens ici. Et toi, pars d'ici. Comment on fait? Non, mais il n'y a pas d'à bientôt. Oui. Valentin, il t'a totalement contrôlé là. Mais j'ai plus mal au ventre. Pendant au moins 10 minutes. Mais j'ai plus mal au ventre. Comment ça, t'as plus mal au ventre? Bah ça va mieux. T'es sûr que ça va mieux? Bah oui. Il suffisait de se faire hypnotiser en fait, je pense. Par contre, pour Lily Rose et Peppa Pink, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ils sont encore malades, apparemment l'hôpital dit que ça peut durer une semaine. C'est à cause du poisson très spécial qu'ils nous ont fait manger au restaurant. Ah bah du poisson pourri en même temps là. Ouais bah c'était un poisson pourri, je pense que c'était pas vraiment un poisson spécial. Plus jamais je vais au restaurant. Mais en tout cas là ça va pas du tout. T'as vu ce qu'il a ramené chez nous? Qu'est-ce qu'il a ramené encore? Il y a un monstre. Attends, viens, j'espère qu'il est vraiment parti. Viens, je vais te montrer ça, c'est vraiment terrifiant. Je crois qu'il est encore là. Attends, viens. Rien, je vois rien du tout. Mais si, regarde. Attends. Ah, t'as vu? Attends, te cache pas, te cache pas. Bah, s'il te plaît, cache-toi un peu en fait. Ah, si. Regardez. T'as vu? Oui, je le vois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je sais pas. Donne cette frite. Ça lui fait rien. Ça suffit pas. Il va pas s'enfuir. Qu'est-ce que tu fais là encore? Vous ne pourrez rien contre mon ami le monstre. Comment ça? Mais fais partir ce monstre de chez nous. Pas du On n'en veut plus. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais partir avec lui? Je vais le laisser ici pour vous stationner. Non, pars d'ici. Pars d'ici. Allez, regarde-moi, fixe-moi. Non. Je dois servir l'hypnotiseur. Je dois servir l'hypnotiseur. Je dois servir l'hypnotiseur. Mais reste ici. Je dois aller voir Lily Rose à l'hôpital et donner toutes ses affaires à l'hypnotiseur. L'hypnotiseur veut toutes nos affaires. Je dois lui donner toutes nos affaires. Monsieur l'hypnotiseur, est-ce que vous voulez une voiture? Très bien, oui, bien sûr. Vous allez avoir ma voiture, venez, je vous donne les clés, je vous donne tout, monsieur l'hypnotiseur. Ça marche à la perfection, monsieur l'hypnotiseur, je dois tout vous donner. Voici notre voiture. Merci. Voulez-vous une télé? Voulez-vous une télé, monsieur l'hypnotiseur? Pas besoin. Je vous donne une télé. Pas besoin. Je pars. Vous partez? Oui. Au revoir, monsieur l'hypnotiseur. Au revoir. Valentin, il faut obéir à l'hypnotiseur. Oui, oui, c'est bien. Il faut obéir. Tu faisais semblant, c'est ça? Valentin, il faut dévaler l'hypnotiseur. Ah, tu vas tomber, t'es lourd. Attends. Ça va? Attends, je reprends mes esprits, là. Attends, j'étais complètement contrôlé par l'hypnotiseur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Grâce à ton problème, là, tu vas repartir. Attends, mais... Et il est en route. Mais du coup, il est parti avec notre voiture? Oh non, mais... Mais il a volé la voiture, du coup. J'arrive pas à ouvrir la porte. Mais il a dû fermer à clé. Oh non. Je lui ai donné notre voiture. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Appelle la police, là, avant qu'il parte. Ah, en plus, je me sens bizarre, là. J'ai l'impression qu'il nous contrôle. Ah, j'ai vraiment mal à la tête. J'ai l'impression qu'il nous contrôle encore. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, assis-toi. Non, mais là, c'est pas possible. C'est sûr qu'il nous a jeté un sort. Ça tombe, il peut nous contrôler à tout moment. Oh non. Pour moi, ça va, je me sens pas mal, mais c'est surtout toi, en fait. Bon, écoute, j'ai peut-être une solution. J'avais vu un jour une vidéo sur Internet qui disait comment... C'est quoi ça? Pourquoi il se met à bouger, lui? Ah, j'en ai marre de nos pranks d'Halloween, là. Maintenant, ça nous fait peur. Alors que c'est nous qui les avons installés. Bon, je te disais, j'ai vu une solution. Viens. Allez, les amis, je vous jure que j'ai du mal à reprendre mes esprits. Je me sens vraiment contrôlé par... Attends. Regarde. C'est une blague. Et c'est le pendentif. C'est toi, le chat, qui l'a ramené? Oh, c'est bien. Mais... Il a dû faire tomber son pendentif par terre. Mais oui, le chat il l'a ramené. Et le chat l'a ramassé. C'est bien, merci. Ah, regarde, c'est très bien, tu vas pouvoir le garder après. Non, c'est une mauvaise idée en fait. Non, imagine oui. Si le chat nous hypnotise. Ah, bah, oui. Bon, on va le garder bien précieusement. Et de toute façon, quand il s'apercevra qu'il l'a perdu, il va certainement revenir. Bon, écoutez les amis, j'allais dire j'ai une solution pour me sentir un peu mieux. Viens, on va dans la chambre de Lily Rose.
On sera plus à l'aise là-bas. J'ai vu une vidéo sur internet il y a pas longtemps qui disait que si on regarde cette vidéo, on n'est plus hypnotisé et les hypnotiseurs n'ont plus aucun pouvoir pour nous. Attends. Normalement, j'espère que ça va marcher. Vas-y. Alors attends. Voilà. Il fallait regarder ça. Attends, j'essaie de te montrer. Voilà, il fallait regarder ça attentivement. Vas-y, on devrait regarder ça tous les deux. Attends. Moi, je regarde ça. J'espère que ça va aller mieux comme ça. Je commence à me sentir attends, un peu mieux. Attends, c'est bon. Là. Attends, je m'assois là, ça commence à m'épuiser. Vas-y, assieds-toi. Ah, c'est bon. Ah, c'est vrai que je commence à me sentir vraiment plus léger. Ah, il nous avait vraiment, il nous avait vraiment contrôlé. Hein. Mais on sent comme son emprise qui part en ah, fait. Ouais, non, il avait vraiment mis plein de pouvoir en nous. On était totalement contrôlés. Ah, franchement, cette vidéo, elle a l'air de marcher. Ah, ça va, ça me rassure. Oh. Ah, ça va, attends, je vais la couper. Ah, c'est bon. Ça fonctionne. C'est bon. Ça va beaucoup mieux. Bon, en tout cas, les amis, là, on a récupéré son pendentif. C'est le principal. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir le mettre en pleine nature. On va pouvoir le détruire réellement ou le mettre dans un coffre-fort. Comme ça, il ne pourra plus jamais revenir pour nous faire ça. Qu'on l'enterre, je sais pas, mais... Au moins, il était un peu guéri. Hein, donc, ça a un peu marché. Donc, c'est parti, les amis. Ah, je vous ai retrouvé. Mais comment c'est ça, vous qui avez mon pendentif. Vous avez déjà pris notre voiture. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur nous. On a regardé la vidéo anti-hypnotiseur. J'ai une idée, donne-moi le pendentif. Tiens. Non. Vas-y. Vous allez partir. Non. Vous allez partir d'ici. Oui. Maintenant t'as dehors. T'as réussi à hypnotiser. J'ai réussi, oui. Partez allez, maintenant. Demande-lui de partir à tout jamais. Partez à tout jamais d'ici, de cette maison. Partez pour toujours, allez. Très bien, maître. Ah, c'est bon, ça marche. Oh. Ah, c'est bon. Oh, partez pour toujours. Ah, mais c'est trop bien, maintenant on a un truc pour hypnotiser les gens. Mais oui. Comme ça, ils feront tout ce qu'on veut. Ah, faut qu'on le garde, ce pendant ce temps. T'inquiète pas. On le détruit pas. Je vais pas prévenir Peppa Pink et Lily Rose. Hein. Mmh. T'inquiète pas. Ah, bah attends. Je peux leur demander de revenir de l'hôpital. Oui. Si t'as été soigné par le pendentif. Vas-y, fais ça. Ça tombe en les hypnotisant, je vais pouvoir les soigner. J'ai pas mon téléphone, du coup, appelle les Dexu. Ah, t'inquiète pas, je vais les appeler. Et normalement, tout ira mieux. Bon, je garde quand même la vidéo avec moi. On sait jamais s'il revient. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il est pas là. Oh, c'est bon. Il a l'air d'être vraiment parti. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti. Je vais appeler Lily Rose. Et j'espère, les amis, que l'hypnotiseur ne va pas venir chez nous. Parce que, à mon avis, il risque d'être en colère et de passer chez d'autres personnes pour essayer de leur voler plein de choses. Ah, ah ben, on se sent mieux quand il est pas là. Hein. Allez. Allô, Lily Rose ? Ouais, c'est Esteban. Je te raconterai plus tard, il s'est passé un truc de dingue, là. Mais j'ai une solution pour vous guérir. On m'a donné un super pouvoir, là. Enfin, on m'a donné. On a récupéré un super pouvoir avec un pendentif et... Comment ça, tu me crois pas ? Mais je t'assure, viens, ça marche. Valentin, il avait le même problème que toi. Maintenant, il a plus rien. Ok, t'arrives ? Ok, ça marche, super. Merci. Ah, je suis rassuré. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant avec ce pendentif ? Oh, je sais pas... Bah, je sais pas, on pourrait aller voir le voisin pour lui demander de nous donner plein de bonbons. Ah bah, allez, go faire ça. Allez, c'est parti. C'est le pendentif, il est plus dans ma poche. Quoi ? Il a disparu. Oh non, 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 mais je voulais faire plein de trucs avec ce pendentif. Ah, mais où il est ? Peppa Pink ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Mais t'es pas avec Lily Rose ? Bah si, bah je suis rentré là, avec Lily Rose. Je me suis fait accompagner par... Mais vous étiez super rapide. Bah oui, c'était à côté. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est à l'hôpital qui est à côté. C'est à côté. Bon, Lily, elle est restée dans sa chambre, elle est allongée. Ça va un petit peu mieux. Bah, le problème, c'est que j'ai perdu la solution. Non, parce qu'elle m'avait dit que t'avais trouvé la solution. Mais oui, c'était un pendentif d'hypnotiseur. Enfin, je te raconterai plus tard, de toute façon, j'ai tout filmé. C'est quoi cette histoire ? Et Valentin, t'as encore mal au ventre ? Bon, non, ça les va amis, à mon avis... Qu'est-ce qui s'est passé ? L'hypnotiseur a réussi à récupérer le pendentif en le prenant dans ma poche. C'est quoi ? D'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'il a volé la voiture. Non. Il a volé des choses. Oh, on a tout perdu, on a perdu le pendentif, la voiture, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, les amis, ne faites jamais confiance aux hypnotiseurs. Regardez ce qui s'est passé. Et je pense qu'il a réussi à récupérer son pendentif quand j'avais le dos tourné. Bon, en tout cas, les amis...
Ne faites pas confiance aux hypnotiseurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne, aller sur le Pink Lily Shop pour commander une gourde, des t-shirts, des pulls, etc. Et sinon, on se dit à la prochaine sur YouTube, où vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît juste là. On se dit à la prochaine. Bye bye, bye à tous. Allez, ciao.